Les Noirs sont mal vus ici en Bengo. Les Noirs sont mal vus à cause de certains des nôtres. De nos jours, tu entres dans un magasin, monte seulement la garde derrière toi. Faut parler fort. Même ceux qui gagnent diamant leur vie. On monte seulement la garde, tu passes dans tel rayon, l'autre passe de l'autre côté. Il y a des qui te surveillent à la loupe. Pourtant, tu gagnes diamant ta vie, tu travailles. La brocante. Tout simplement à cause de certains de nos frères et certains de nos sœurs. Les femmes qui partent dans les afro-markets, là-bas, elles partent voler les poissons. Ya! Yeah! Pourtant, vous avez l'argent qu'on vous donne à la fin du mois, maman. Elles volent les poissons. Elles volent les cubes. Quel poisson, même le thon. On peut faire ça. Vous n'avez pas honte. Vous avez fait, on a mélangé maintenant tout le monde. Et certains de nos frères qui partent dans les magasins, ils volent les bières. Ils volent les cubes. Ils volent les parfums. Quand tu as parlé un peu de notre, oh, nous sommes venus reprendre ce qu'ils ont pris en Afrique. En Afrique, ils volent les bonnes choses. L'or. Tu entends seulement que l'or, le diamant, vous venez voler les cubes, les parfums. Maintenant, même les blacks qui travaillent diamant, qui gagnent bien leur vie. C'est pas pourquoi ils font. Ils sont dans les magasins, on a oublié de monter la garde derrière eux. Vous avez mélangé tous les noirs dans vos brocantes là. Parfois, j'entre dans un magasin comme ça avec mon père. Tu vois comment on nous surveille. Pourtant, je n'ai jamais touché quelque chose dans un magasin sans payer. Même quand j'entre avec mes enfants, avant de sortir, je les fouille. On ne sait jamais. Parce que les enfants sont comme ça. Il peut prendre quelque chose là, il lance même dans ton chariot, toi, tu ne connais même pas. Ou bien il prend, il arrête ta main. Tu entends ce même pip, 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 pip. Te voilà dans les problèmes. Quand tu pars dans un magasin avec les enfants, surveille tes enfants, ne les laisse pas toucher tout. Vous êtes venus faire, vous dites que vous êtes venus récupérer ce qu'ils ont pris en Afrique. En Afrique, là, c'est les bonnes choses qu'ils prennent. Tu entends seulement l'or, le diamant, le cuivre, la bonne. J'ai dit que les bonnes, quand tu entends seulement le prix. Mais vous volez les parfums. Donc, ils finissent de se laver chez eux. Ils arrivent dans un magasin, ils prennent les parfums. Vous avez fait maintenant, tout le monde est dans vos brocantes là. Il faut changer. L'affaire que Bayem Julien est en train de parler, c'est là, Madia est tellement frustrée dans le Mexique. Tu entres dans un supermarché, tu es venu comme ça pour t'acheter un beau vêtement ou acheter un vêtement que tu veux offrir à quelqu'un. C'est-à-dire, à chaque fois, tu lèves la tête comme ça, peut-être pour regarder dans un autre rayon, pour voir s'il y a quelque chose qui peut te plaire là-bas. Vu que moi, je déteste faire les magasins, du coup, je déteste passer de rayon en rayon. Et lancer seulement l'œil, ce qui me plaît, je ramasse, je pars avec. Tu lèves la tête, tu vois, tu croises le regard de quelqu'un qui te fixe. Genre, le regard de la personne te fixe, on a l'impression, mais, mamie! Jusqu'à même entrer au magasin avec le sac à main, tu as même peur qu'on va croire que tu as pris un bijou, tu as mis à l'intérieur, mon frère. Tout ça à cause des comportements de certaines personnes. Franchement, quand vous entrez au supermarché, vous volez le parfum. Franchement, même quand on veut salir son nom, on se respecte aussi un peu, non? Est-ce qu'on peut alors être bizarre, aimer les bras catacouscous comme ça, là, jusqu'à quel point? Bref, que personne ne parle de mes soucis, pardon. Moi, j'ai le miroir chez moi.